Bonsoir, frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne de télévision, Réveil Télévision, et dans le cadre de l'émission Réveillez-vous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour participer à cette émission, pour la suivre. Pour vous qui la regardez maintenant ou pour vous qui allez la regarder plus tard, voilà donc, nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde ce soir de pouvoir partager sa parole. Parce que c'est sa parole qui nous lave, c'est elle qui nous purifie, c'est elle qui nous donne la vie. Et Jésus lui-même disait, mes paroles sont esprit et vie. Et nous voulons partager cette vie, cette parole, voilà, avec vous pour que nous soyons davantage encouragés et édifiés. Donc, avant de commencer le partage, voilà, on va s'incliner dans la prière pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce temps. Seigneur, que tu nous accordes pour pouvoir lire ta parole, pour pouvoir la partager, pour pouvoir, Seigneur, être enseigné par elle. C'est ta parole qui donne la vie, c'est elle qui nous lave. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu conduis ces moments, que tu nous diriges pleinement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es digne d'être élevé. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, donc ce soir, on va partager sur la guérison du cœur. La guérison du cœur, ce sera vraiment un partage pas très long. Vraiment, on va se laisser conduire par le Seigneur, mais pas très long. Et on aura comme passage de base Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Donc ce soir, on va partager, comme je le disais, sur la guérison du cœur. Voilà, et notre passage de base sera Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Donc Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Vous savez, dans ces temps, et depuis les temps passés, hein, le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Et nous allons comprendre, sur la base de la parole, pourquoi, justement, le problème de l'homme, c'est le cœur, et pourquoi le cœur a besoin d'être guéri, guéri par le Seigneur. Évidemment, nous ne parlons pas de la guérison physique qu'on peut obtenir auprès d'un médecin, mais nous parlons là d'une guérison qui est spirituelle, qui est la guérison du cœur, la guérison de notre âme. Et nous allons voir d'abord les conséquences causées par un cœur qui n'est pas guéri, et ensuite nous allons voir, par la grâce de Dieu, la solution à un cœur pour obtenir un cœur guéri. Voilà, donc sans plus tarder, si on peut prendre Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Genèse 4 à partir du premier verset, il est écrit: Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Verset 2, elle enfanta encore Abel son frère. Abel fut berger et Caïn laboureur. Verset 3, et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahvé porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande, et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Alors, on va d'abord s'arrêter là. On va garder le passage à l'écran. Donc, ici, on nous parle de deux hommes, Caïn et Abel. Voilà. Et on nous fait comprendre que tous les deux étaient travaillés, tous les deux vraiment se nourrissaient du fruit de leur travail. Et il va arriver un temps où chacun d'entre eux devait aller offrir au Seigneur l'offrande du fruit de son travail. Et la Bible nous fait comprendre que Caïn va offrir à Dieu les fruits de la terre, alors que Abel va offrir à Dieu, d'accord, il va offrir à Dieu les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors on nous dit que Yahweh, Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur celle de Caïn. Et la Bible nous dit que, alors, au verset 5, mais il porta son regard sur Caïn, et Caïn fut très, très fâché. Et son cœur, et son visage fut abattu. Et vous voyez, ici, on fait comprendre que Caïn était fâché, en fait, et la colère avait pris le cœur de Caïn. La colère s'était emparée du cœur de Caïn, et Caïn, à cause de la colère, d'accord, son aspect extérieur avait été affecté par son aspect intérieur.
D'où on peut comprendre l'importance d'avoir un cœur pur, l'importance d'avoir un cœur qui obéit à la parole de Dieu, d'avoir un cœur qui correspond aux attentes du Seigneur pour l'homme. Ici, on voit clairement un homme qui était irrité et cette irritation se laissait dessiner sur son visage. Et aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi beaucoup de personnes ont la tension, pourquoi beaucoup de personnes ont des maladies liées aux soucis et à tout le reste, à cause de ce système justement que Satan a mis autour de la vie humaine. Mais on peut comprendre que beaucoup ont la tension parce qu'ils ont des blessures, ils ressassent les souvenirs du passé, parce que beaucoup vivent difficilement et à cause des soucis de la vie, ils pensent tellement que leur cœur devient amer. Vous voyez? Et on comprend par là pourquoi certaines personnes, rien qu'à les voir, alors que ce sont des personnes qui sont belles de visage, belles de corps, voilà, ou beaux de visage, beaux de corps, mais souvent, ces personnes-là, quand elles sont même pas agréables à approcher en fait, parce que c'est des personnes qui sont vraiment remplies parfois de colère, remplies de blessures, qui sont remplies d'amertume, qui sont remplies de jalousie. Et on peut comprendre que ces choses que les personnes ont dans le cœur sont parfois l'effet, d'accord, des choses qu'elles ont vécues dans leur enfance ou dans leur environnement au quotidien. On peut comprendre qu'une femme qui a été abusée dans sa jeunesse, qui a été abusée par son père, par ses frères, par ses cousins ou par des amis, puisse développer un certain comportement. Mais ce comportement ne correspond pas à ce que Dieu attend de l'homme. Et on se rend bien compte qu'à cause de ce comportement, l'homme peut aller jusqu'à commettre des choses qui ne sont pas bonnes. Donc on va revenir sur le passage, toujours sur le passage de Genèse chapitre 4. Voilà, on s'est arrêté au verset 5. Au verset 6, il est écrit, Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Caïn parla à Abel, son frère. Il arriva que, comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Voilà ici la conséquence de l'état du cœur de Caïn. Parce que Caïn, Dieu va lui dire plus haut, au verset 7, que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Et le péché qui était à la porte du cœur de Caïn, c'était le meurtre. Et ce péché a cherché quelle ouverture pour entrer? De la colère. C'est par la colère que le péché, le meurtre, est rentré. La colère en elle-même est déjà quelque chose qui n'est pas bien. D'accord? Mais la Bible nous enseigne dans le livre d'Éphésiens que lorsqu'on se met en colère, Éphésiens 5, je crois, ou Éphésiens 4, lorsqu'on se met en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ici, Caïn va clairement donner accès au diable. Pourquoi? Parce qu'il va laisser cette colère, d'accord, grandir dans son cœur. Et c'est ça les conséquences d'un cœur qui n'est pas guéri. C'est ça les conséquences d'un cœur qui refuse de se laisser guérir par le Seigneur. Bien-aimés, on a tous subi des choses difficiles dans nos vies. Que ce soit par des amis, par des parents, même parfois par des frères dans la foi. Que faire? Par des employeurs. Que faire? Est-ce qu'il faut garder ces choses dans le cœur ou plutôt chercher à être guéri par le Seigneur? Nous devons chercher la guérison. La guérison qui vient de Yahweh. La guérison qui vient de Yahweh. Et ici, on a un bon exemple d'un homme qui a été complètement mené à la mort à cause de l'état de son cœur, Caïn. Et on va voir que l'état de son cœur ne s'est pas arrêté à l'amener à tuer. Il a subi, en contrepartie du meurtre qu'il a commis, les conséquences de son péché. Parce qu'il faudrait savoir, la Bible nous dit que ton péché t'atteindra. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un pêche, et même quand il se repent, il vit quand même les conséquences du péché. Je prends un exemple pour que ce soit clair. Si un homme ou une femme décide de tomber dans le péché sexuel, la conséquence qu'il peut y avoir, c'est avoir un bébé derrière ça. Mais même si on s'est repenti, la grossesse ne partira pas. Parce que l'acte qui a été commis engendre des conséquences qu'on doit assumer. On peut attraper une maladie sexuellement transmissible, le VIH ou une toute autre maladie. On peut attraper une maladie spirituelle, on peut s'attraper des démons. Vous voyez, encore que les démons, par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, sont chassés. C'est vrai que les maladies aussi sont chassées au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Mais les démons, comme les maladies, tout dépend de la décision que Dieu va faire. Après, nous savons que les démons sont soumis au nom de Jésus, parce qu'on les chasse même dans la vie des inconvertis. Mais la guérison, c'est vraiment, vraiment à la seule volonté de Dieu. Voyez, vraiment, c'est beaucoup plus profond que la guérison par rapport aux démons. Et le péché causé par l'état du cœur peut avoir beaucoup de conséquences. Regardez comment l'humanité est plongée dans le mal. Regardez comment l'humanité vit dans la souffrance. Combien de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi? Mais parce que on nous fait comprendre que 20% de la population mondiale, sinon même je crois 10%, je n'ai plus les statistiques en tête, d'accord, possèdent 80% des richesses mondiales. Et donc les 20 autres%, ben, vous avez maintenant là-dedans les classes moyennes, d'accord, les classes basses et les pauvres qui sont là. Et c'est dû à l'état du cœur de l'homme. Uniquement à l'état du cœur de l'homme. Et ce cœur-là, qui est blessé, va avoir causer beaucoup de dégâts. Donc on va repartir dans le chapitre 4 toujours du livre de Genèse. Et on va voir à la suite, on va lire à partir du verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Maintenant donc, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère? Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus son fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à Yahweh, le châtiment de mon iniquité est trop grand pour que je puisse le supporter. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Yahweh lui dit, alors si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Ainsi Yahweh mit une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. La suite au verset 16. Alors Caïn s'éloigna de la présence de Yahweh et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Voilà la conséquence. Caïn va être maudit. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, tout ce que Caïn va faire sera frappé par la malédiction. Donc la terre ne lui donnera plus la nourriture facilement. Déjà que la terre avait été maudite, dans Genèse 3, et encore, Caïn a subi au-dessus de cette malédiction une autre malédiction causée par l'état de son cœur. Et Dieu va lui dire, je te chasse de cette terre. Or, nous savons que dans cette terre, il y avait la présence de Yahweh. Et Caïn va être complètement privé de la présence de Yahweh. Vous voyez? Et on nous dit qu'il va aller à la terre de Nod, à la terre d'errance. D'accord? Nod veut dire errer, vous voyez? C'est la terre d'errance. Donc, Caïn va devenir quelqu'un qui va errer, quelqu'un qui n'a plus de repère. Parce que vous savez, bien-aimé, le repère de l'homme, c'est Dieu. La chose la plus difficile en enfer, ce n'est pas d'abord le feu, c'est le manque de la présence de Dieu. Parce qu'on voit Meshach, Shadrach et Abednego. On le voit dans le livre de Daniel, chapitre 4. D'accord? On voit ces hommes qui sont jetés dans la fournaise ardente. Mais on voit combien de fois dans le feu, Yahweh les a secourus. Donc, on peut être dans le feu, mais si on a la présence de Yahweh avec soi, le feu ne peut pas nous ébranler. La chose la plus difficile, c'est de vivre loin de la présence de Dieu. À cause de l'état de notre cœur, à cause du péché, à cause des blessures, on peut vivre loin de la présence de Dieu. Quelle est la solution à cela? Le Seigneur lui-même, et nous allons le voir. Beaucoup de personnes qu'on voit aujourd'hui, on voit des parents qui ne font que reproduire le schéma des choses qu'ils ont vécues avec leurs propres parents. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été guéris. Ils n'ont jamais été guéris. Ils n'ont jamais été guéris. Alors, la conséquence peut être très inverse. Alors, on va prendre un exemple. Une femme qui a été abusée par ses parents ou bien par un cousin alors qu'elle allait passer des vacances quelque part et que les parents ne s'en sont pas rendus compte, peut devenir hyper protectrice au point que sa protection puisse causer du mal à ses enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent ne même plus apprendre à s'intégrer dans la société parce que la mère est tellement protectrice. Et le jour où les parents décèdent, les enfants sont complètement perdus. Bien qu'elle aura protégé les enfants, mais les enfants n'auront pas su s'intégrer dans cette société qui évolue chaque jour. Vous voyez? Ce sont des enfants qui vont apprendre à dépendre uniquement de leurs parents, qui ne sauront pas apprendre à se débrouiller. Pourquoi? Parce que la mère, avec ses blessures, bien que voulant protéger les enfants, d'accord?
va isoler ses enfants de certaines réalités de la vie. Et quand le temps viendra pour les enfants de se confronter à la dureté de la vie, ben, ils ne seront pas prêts. Ça peut être ça les conséquences. Vous voyez? Ça peut être que cette femme-là, d'accord, peut avoir, si elle n'est pas guérie, elle peut avoir des blessures et même elle peut avoir des problèmes avec son mari. Inversement, le mari, pareillement. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui n'a jamais été guéri des blagues qu'on lui faisait à l'école sur son corps. Et quelqu'un peut lui. Même un frère dans Christ ou sa femme peut lui faire une blague sur l'aspect de son corps, un aspect de son corps, et ces blessures-là peuvent se réveiller si on n'est pas guéri. Avec un cœur blessé, on peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Avec un cœur qui n'est pas guéri, on peut faire beaucoup, beaucoup de mal. On peut vraiment, vraiment détruire le monde. On peut détruire les gens qui nous aiment. On peut même détruire les gens qu'on aime nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur qui n'est pas guéri. Vous voyez? Parce qu'on a un cœur qui n'est pas guéri. Et pourquoi il faut avoir le cœur qui est guéri? Bien, on va prendre Matthieu chapitre 15. On a Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. On va lire à partir du verset 10. Matthieu 15 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 10, on partage sur la guérison du cœur. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 10, puis ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain, mais c'est ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui souille l'être humain. Alors ses disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? Verset 13, il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Verset 14, laissez-les, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les toilettes, mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'être humain. Verset 19, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les médisances, et on peut rajouter autre chose. Ces choses-là, ce sont ces choses-là qui souillent l'être humain. Mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille pas l'être humain. Ici, on voit l'importance de les conséquences du cœur qui n'est pas guéri. Et on nous fait comprendre que c'est du cœur que tout part en fait. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas un cœur guéri va sortir à chaque fois des propos qui sont blessants. Et quelqu'un qui n'a même pas un cœur guéri, vous voyez, il y a des gens, il y a des femmes, elles s'habillent parfois comme des prostituées. Elles cherchent à plaire parce qu'elles ont été blessées toute leur vie. Elles ont été toujours, on les a toujours fait passer pour des personnes qui ne valent rien. Donc, ben ça peut être des femmes ou des hommes qui voudront à chaque fois chercher à s'imposer pour réussir à montrer qu'ils sont aussi capables de faire quelque chose. Et ça, même étant converti, on peut être atteint par cette maladie. On peut être atteint par cette maladie. On a tous besoin, tous frères et sœurs, d'aller auprès du Seigneur pour implorer sa grâce et demander véritablement chaque jour la guérison de nos cœurs. La guérison de nos cœurs, véritablement. Véritablement, vous voyez, véritablement. Et l'état de notre cœur peut produire tellement de choses, l'orgueil. Ça peut produire le sentiment d'infériorité, le sentiment de supériorité. Ça peut produire beaucoup de choses. Et ces choses-là causent énormément de dégâts. Maintenant, à l'origine, qui blesse les cœurs? Ben, derrière, c'est Satan. Parce que Satan lui-même, dans Ézéchiel 14, qu'on va lire, Ézéchiel 14, frères et sœurs, Dans Ézéchiel 14, on va lire à partir du verset Ézéchiel 14, on va lire, pardon, alors on va prendre d'abord Ésaïe 14, pardon. C'est Ésaïe 14.
Ésaïe 14, et on va prendre Ézéchiel 28 plus tard. Ésaïe 14. Ésaïe 14, on va lire à partir du verset 18. À partir du verset 12. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Merci Seigneur. Et ensuite, on prendra Ézéchiel 28. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui foulais les nations, tu es battu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur, vous voyez, tout part du cœur, et là on parle de Satan. Je monterai aux cieux, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Achillon. Je monterai au-dessus des hauts lieux, des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Et cependant, tu as été précipité dans le Shéol, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement en disant, n'est-ce pas celui qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde habitable en désert, qui détruisait les villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Vous voyez, ici on voit Satan, d'accord, la première personne à avoir laissé son cœur être corrompu, c'est Satan. Parce que quand Satan est précipité, d'accord? Quand Satan est précipité, l'homme n'est pas encore créé. Parce qu'on voit bien, qu'on nous fait comprendre dans Genèse 3 que Satan était, le serpent était l'animal le plus rusé, d'accord? Et Satan avait déjà été précipité. Parce qu'il avait péché contre Dieu. Et son but, ayant compris que Dieu n'aime pas un cœur qui est impur, un cœur qui produit le mal, Satan s'arrange à utiliser plusieurs artifices pour nous blesser. Ben, il passe par beaucoup de choses. Il met des artifices autour de nous. Il nous fait croire que certaines choses sont bonnes. Et lorsqu'on touche à ces choses, ben, on finit par se faire mal. Exemple, il va attirer la plupart des jeunes garçons et des jeunes filles à avoir des copines. Le seul problème, c'est que lorsqu'une jeune fille va donner sa virginité à un jeune garçon, le jeune garçon va la quitter pour son ami et elle va être blessée. Et cette jeune fille peut vouloir toute sa vie détruire des foyers. Pourquoi? Ben parce que Satan lui aura proposé quelque chose au travers duquel il va la détruire toute sa vie. Et si jamais Jésus ne rentre pas dans sa vie, elle sera vouée, elle aussi, à rendre le mal toute sa vie. Il y a des hommes qui ont juré ne plus se marier parce qu'ils ont été sincères dans des relations et ils ont été trompés et ils ont décidé de ne plus vouloir se marier, de simplement vivre en union libre. Il y a des hommes qui ont été trompés et qui ont été blessés par des femmes qu'ils ont décidé de devenir homosexuels. Nous condamnons toutes ces choses parce que le Seigneur condamne ces œuvres. L'homosexualité est un péché et on n'a pas le droit de le faire. Vivre en union libre est un péché parce que tout rapport sexuel en dehors du mariage est un péché. Mais le Seigneur, d'accord, a besoin de guérir le cœur de cette personne. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur est guéri, la personne réalise l'état de son cœur et court vers le Seigneur pour demander non seulement la guérison par rapport à son cœur, mais aussi le pardon par rapport aux actes commis. Vous voyez. Maintenant, comment être guéri? Mais c'est simple. On a besoin de Jésus. On a besoin d'aller à lui. On a besoin que le Seigneur, par sa grâce, guérisse nos cœurs. Vous voyez, il le dit dans Luc. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 4, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. On va le lire. Ça fait toujours du bien de lire la parole. Et Luc chapitre 4 à partir du verset 16, Luc 4 à partir du verset 16, Luc chapitre 4 à partir du verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva le passage où il est écrit. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le livre et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je veux te dire que cette parole est accomplie et si tu crois en cette parole et que tu vas vers le Seigneur, tu seras guéri.
Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il suffit d'aller vers le Seigneur et de demander au Seigneur la guérison par rapport à son cœur. Afin d'obtenir cette guérison et d'être transformé dans le cœur. Parce qu'on a besoin du Seigneur pour être transformé. On a besoin du Seigneur pour avoir un cœur pur, un cœur d'enfant, un cœur qui aime, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait consoler, un cœur qui va reconnaître aussi ses erreurs dans les choses parfois qui sont arrivées. Vous savez, Dieu ne justifie pas le mal n'est jamais justifié devant Dieu. Donc même si le mal qu'on a rendu aux gens est la conséquence des actes ou des blessures qu'on a eues durant notre passé, cela ne justifie pas le mal qu'on peut rendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, ou toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, qui m'écoute et qui a vécu beaucoup de blessures, je voudrais te dire que Jésus est mort à la croix et son amour est encore disponible pour la guérison de ton cœur. Et à ceux qui sont aussi enfants de Dieu et qui ont été blessés par les parents et qui continuent à traîner ces choses dans leur marche, qui ont été blessés durant leur marche chrétienne par qui que ce soit, ça peut être par son mari, par sa femme, par ses enfants, par ses voisins, par ses frères dans la foi, ou par ses collègues, la guérison, l'amour de Dieu est encore disponible pour pouvoir guérir nos cœurs. Frères et sœurs, c'est vraiment ces paroles que Dieu mettait dans mon cœur et que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et en priant que Dieu, véritablement, dans son amour, saura vous apporter le réconfort du cœur nécessaire. Vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, prions le Seigneur, implorons sa grâce et que vraiment toute la gloire lui reviennent. Donc, à nous revoir la prochaine fois à notre prochaine émission et que Dieu vous garde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.